Tu es en grande session. Bonjour les enfants. Comment ça va? Et papa? Tout le monde va bien. Moi aussi je vais bien. Les enfants, on va se saluer, non? Qui va entendre un chant? Bonjour ami de chant. Bonjour ami. Mes enfants, avant de commencer, on va chanter l'hymne de l'enfant. Qui va m'entendre ça? Oh, que le monde serait merveilleux de chant. Oh, que le monde serait merveilleux s'il n'y avait pas de famine, si l'on ne voyait jamais d'enfants privés de leurs droits fondamentaux, d'être un enfant de l'univers, né pour devenir un homme libre. Donnez-moi le droit, aidez-moi à être un enfant de l'univers, né pour devenir un homme libre. Acclamez, 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 acclamez. Les enfants, comme vous êtes restés longtemps à la maison, vous avez tout oublié. Comme je vais vous rappeler un peu les choses. On va commencer par les mathématiques. Notion de couleur. Les enfants, regardez. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Faut parler fort. Les couleurs. Très bien. Acclamez, acclamez. Les couleurs. Je vais vous montrer un à un et vous allez me dire les couleurs. Ça, c'est quelle couleur? Fort, le rouge. Ça, c'est très bien. Un bravo. Je dépose. Et ça, c'est quelle couleur? Le bleu. Ça, c'est très bien. Un bravo. Et ça, le jaune. Ça, c'est très bien. Et ça, le vert. Ça, c'est très bien. Vous n'avez pas tout oublié. Les enfants, regardez sur la table. On a des choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous avons sur la table? Les coquillages. Et ici, très bien, les cailloux. Ici, les bâtonnets. Ici, les papiers peints. Ici, les baguettes. Les jeux de construction. Les gobelets, les boîtes de peinture, ça c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre les couleurs deux à deux ensemble, les couleurs qui se ressemblent. Si tu prends une peinture bleue, tu vas chercher un autre objet qui a la même couleur que la peinture. C'est compris? On va essayer. Ça c'est quelle couleur? C'est quoi? La peinture. De quelle couleur? Bleue. On va chercher un objet qui a la même couleur que cette peinture-là. La baguette bleue. Les deux sont bleus, non? Ça, c'est très bien. On met ça ensemble ici. On va faire pour le rouge aussi. On prend autre chose que la peinture. Le gobelet-là, quelle couleur? Rouge. Ça, c'est très bien. On va chercher un objet rouge, jeu de construction rouge, gobelet rouge. Ça fait deux objets rouges. On les met ensemble ici. Ça, c'est très bien. On passe au vert. Maintenant, je prends un coquillage vert. On va chercher un autre objet pour accompagner le coquillage vert. Je prends le papier peint vert.
on les met ensemble. Ils ont même couleur. On les met ensemble ici. Bâtonnet jaune. On va chercher un objet de même couleur que le bâtonnet. Le caillou jaune. On les met ensemble ici. Ça, c'est très bien. Un bravo. Là, l'enfant. On va se rappeler de le nom des couleurs, non? Ici, les objets là ont une couleur bleue. Ça, c'est très bien. Et ici, rouge. Ça, c'est très bien. Et ici, vert. Très bien. Et ça, les objets là ont une couleur jaune. Ça, c'est très bien. Les enfants, maintenant, on va faire les tas de couleurs. On met tous les rouges ensemble, les bleus ensemble, les jaunes ensemble et les verts ensemble. D'accord? On va commencer par les rouges. On commence ici. On met les coquillages rouges ici. Quoi encore? Peinture rouge. Oui. Les cailloux. Rouge. Tout ce qui est rouge, on les met ensemble. Tout ce qui est rouge, il reste ensemble. Maintenant, on va faire l'ensemble des bleus aussi. Les bleus, on les met ensemble. Tous les objets bleus. Les coquillages. Oui, c'est bien. Maintenant, on a fait l'ensemble des rouges et l'ensemble des bleus. Quelle couleur il reste? Le vert. On va faire l'ensemble des verts. Ici, les bâtonnets verts. Oui, papier peint. Les baguettes. Oui, les coquillages aussi. On les met ensemble. Les cailloux. Oui. Les jeux de construction. Ça, c'est très bien. Les jeux de construction. Et puis, les enfants, on a fait ensemble des verres. Maintenant, quelle couleur il reste? Le jaune, ça c'est très bien. On va faire l'ensemble des jaunes aussi. On met les jaunes aussi ensemble. Ça c'est très bien. Les enfants, on va reprendre. Ici, c'est l'ensemble des objets de quelle couleur? Très bien. L'ensemble des rouges, ça c'est très bien. Et ici, l'ensemble des bleus, ça c'est très bien. Ici, l'ensemble des verts. Et ici, l'ensemble des jaunes, ça c'est très bien. Un bravo. Les enfants, vous avez bien travaillé. On va aller au tableau maintenant. Je vais voir si vous avez bien suivi. Les enfants, regardez. On a dessiné ici c'est quoi? Un ballon, un gobelet, une fleur, une feuille, un bloc logique, une bouteille, un bloc logique. Ça, c'est très bien. Les enfants,
Tous ces objets portent les quatre couleurs qu'on vient de voir. Maintenant, on va les mettre ensemble deux à deux. On va les relier par un trait. On va relier les couleurs par un trait. Les couleurs qui se ressemblent. D'accord? Qui va me montrer, je vais faire. Oui, on commence par quelle couleur? Le rouge, oui. Oui, le ballon rouge. Le vase rouge. On va les mettre ensemble par un trait. On les relie par un trait. Très bien. Quoi d'autre? Quelle couleur encore? Très bien, le bleu. Suivez bien. Oui. Ça, c'est très bien. On continue. Le jaune. Oui. On va les relier ensemble. Et on termine ici. Ça, c'est très bien. Un bravo. Les enfants, comme on a fait les... On a constitué les ensembles des couleurs. On va entourer ensemble des couleurs ici. On va les entourer selon les couleurs. L'ensemble des rouges, l'ensemble des bleus, l'ensemble des jaunes et l'ensemble des verts. On commence. Oui, je vais vous montrer. Ici, on va entourer avec une couleur rouge. Ça, c'est très bien. Suivez, il faut commencer toujours par la rouge. On les entoure ensemble. Très bien. Oui. Quelle couleur encore? Le bleu. Toujours gauche vers la droite. Est-ce que c'est fini? Quoi encore? Le jaune. Suivez bien, il ne faut pas mélanger les choses. Et on finit par quelle couleur? Le vert. Très bien. Un bravo. Un bravo. Deux bravo. Les enfants, on vient de finir la révision des couleurs. Donc, continuez à la maison. N'oubliez pas. Les parents vont venir prendre les devoirs pour travailler avec vous. Soyez sages. Maintenant, on va apprendre à lire. On passe à la communication. J'apprends à lire. On va lire les lettres. Suivez bien. Suivez. I. O. A. U. E. T. M. N. L. B. F, D, Q, I, O, A, I, O, A, U, E, T, M, N. Il y a aussi les chiffres, suivez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les enfants, on va s'arrêter à 6. L'autre là, on n'a pas encore vu ça. C'est compris? On continue. I, 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 I. O, 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 O. O, O,
U, 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 E, 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 T, 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 M, 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 N, 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 L, 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 B, 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 P, 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 D, 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 Q, 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 Q. Les enfants, soyez sages et lisez à la maison. On va entourer les lettres I, O et A. Suivez. Je prends une crème avec des différentes couleurs. Je prends le rouge et on va entourer les I. Suivez. Les I avec une même couleur. Oui. Maintenant, on va entourer les O avec une autre couleur. Ça, c'est quelle couleur? Le bleu. On va entourer quelle lettre? La lettre O. Suivez. Maintenant, on va entourer la lettre A avec une autre couleur pour ne pas mélanger. Ça, c'est quelle couleur? Le jaune. Ça, c'est très bien. On va entourer la lettre A. Ici. Les enfants, c'est fini, non? Ça, c'est très bien. On a fini la lecture. On va passer à l'écriture. Les traits verticaux. Ça, c'est les traits verticaux. Quel signe aussi? Les ronds. Oui. Quel signe? Aussi, un rond, un trait collé. On fait un rond. On fait un petit trait. On colle. Vous avez vu? Ici, un rond. On fait un petit trait. On colle. Maintenant, on va écrire les I. Pour faire les I, on prend les traits verticaux et on met un petit point. Suivez. Oui, on fait un point. Vous allez terminer le reste à la maison avec papa et maman. On passe à la lettre O. Suivez. Toujours commencer par le point. Un petit joli rond. La lettre O. On continue à la maison avec papa et maman. Maintenant, on va écrire la lettre A. On fait un rond et puis un petit trait collé. Un rond puis un trait collé. Tu allais continuer à la maison. Hein? On vient de finir l'écriture.